histoire et sans gloire de la mort d'une star. Quand Marie Trintignant s'écroula sous les coups de Bertrand Cantat. Ils étaient amants depuis un an, lui souvent jalouse et violent. Elle était mère de quatre enfants, née de quatre pères différents. Par un soir de juillet 2003, loin d'ici, comme au cinéma, elle reçut un message courtois de son mari, Bertrand enragea. Puis il s'approcha et la frappa. Hors de lui, une première fois. Puis il frappa et frappa encore. Sa Marie, et c'est là son sort. Déplaça jusqu'à son lit, puis plus tard, au creux de la nuit, il appela le frère de Marie. Mais trop tard, elle perdait la vie. Profond pour 6 jours, fin de la liaison. Son neurochirurgien était bon, sans recours face à ses lésions. Un mercredi en texte et en chant, à la demande de ses parents, l'assistance fut vêtue de blanc. Pour 4 ans, son épouse choisit la pendaison. Quel mari, quel amant.